Hop, il faut se démute avant de lancer. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur ce nouveau streaming. Un petit peu tard, mais j'avais du sport avant, donc je pouvais pas lancer plus tôt. Mais vraie question, comment allez-vous? Et ce soir, comme je l'avais dit, nous allons continuer B-Siege. Et je vais juste regarder parce que le son du jeu, il paraît très fort, mais il est bien au même son que la dernière fois. Eh bien, écoutez, nickel. Donc B-Siege, un jeu qui n'est pas fait pour moi a priori. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal dessus. Je pense qu'il y a plein de trucs que je ne comprends pas sur le jeu. Donc écoutez, vu que je l'ai acheté, je vais évidemment essayer de le finir. Mais si je vois que j'y galère trop aujourd'hui, eh bien tant pis. Tout simplement parce que hier j'ai terminé le premier monde. Et en tout, il y en a 4. Et attends que je regarde. Hop là, changement de scène. Alors, je sais plus. Ok, moi, je suis là. Oh, bah ça va très bien, Wiro, merci. Bonsoir à toi et bienvenue sur ce nouveau streaming. Mais la vraie question, comment toi, tu vas? Bien évidemment. Donc, du coup, j'étais là. Et dans ce nouveau monde, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait que 5 niveaux. Donc là, ouais, il me resterait 13 levels. Et bah, ça va. Et bah, écoute... Eh ben c'est bien. Oula. Qu'est-ce que c'est? Voler et apporter le cristal. Bah là, typiquement, on pourrait faire exactement ce que je voulais faire hier. C'est-à-dire utiliser la machine volante. Alors le... Attends, ça... Putain, non mais la gueule de mon truc. Alors le avion, du coup. Ou la voiture qui vole. Je sais plus c'est quoi la meilleure. Non, je crois c'est la voiture qui vole qu'il faut que j'utilise. Ouais, parce qu'elle peut tirer et tout. Donc du coup, l'idée, c'est que je prenne une pince en haut. Que je mette une pince en bas, pardon. Écoutez, c'est tipeur. Alors. Pince. Et cette fameuse pince. Ah. Paf. Ah, c'est parce que je suis en mode posé. Tac. Voilà, en plein milieu. Ça a l'air d'être bon. Et donc, du coup... Alors, c'est quoi les touches? Ah oui, c'est U. Et après, c'est O, je crois, pour que j'avance. Non? Bah. Ah, c'est pas là, c'est pas le bon véhicule. Ah non, je croyais... C'est le avion qui m'a permis de gagner la dernière fois? Mais non, mais ça m'a pas sauvegardé mon véhicule, surtout! J'avais pas le... Mais oui, mais non, normalement, c'était la voiture qui vole que j'utilisais. Alors... Qu'est-ce que je faisais? Putain, elle est où l'hélice? Elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la bloquer, celle-là, non? Ouais, après, il y a les ailes et tout. Ouais, ça m'a pas sauvegardé mon truc. Aérodynamique hélice. Hein? Attendez, ça sert à quoi, ça? Comment ça marche, cette merde? Et ça, c'est quoi? Une petite. Eh ben, écoutez, on va tester. Pince. Allez, putain. Donc, O, U, comme ça on vole. Après, on continue de monter. On va là-bas. On essaie de se déplacer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, ils m'ont dit F pour ajuster. Non, ouais, bon. Alors, U. U. Ouais, je pense qu'il faudrait que je mette plusieurs pinces pour être sûr. Parce que là... Attends, c'est quoi la touche de la pince déjà? Non mais en vrai, il faudrait que j'en foute plus. Genre quand je fonce dans le truc là... Typiquement, je pense que c'est mieux que je fonce comme un con. Voilà. Et là, je fous la pince. Elle est où la pince? Tac.
Voilà. Comme ça, on se fait pas chier. Juste, je fonce. Comment je supprime déjà? Non. Putain, j'ai... Ah, merde. Et derrière, du coup, on met une L comme ça. Et là, on devrait être bon. Ah, je suis trop lourd. Sérieux? Sérieux, je suis trop lourd. Et je peux pas en rajouter. Paf. Paf. Ah, je suis pas trop lourd. Wouah! Ah, mais c'est parce que je me trompe de touche, putain. Ça y est, mon bolide est prêt. Allez, t'es parti. Ah, t'es parti, mon kiki. Alors, c'est O que je dois jouer. Pour descendre, c'est J, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font, là? Ouais, c'est juste pour tourner, c'est pas très pratique. Ouais, je peux essayer de tourner un petit peu en brute force, mais c'est tout. Il faut que je descende un peu. Tac. Ah! Ah, U! Ah, c'est trop lourd! Bon, attends, sinon... comment je lâche? Merde, putain. Je sais pas comment on lâche. Je crois que c'est V, non? Ouais, c'est ça. Oula. Du coup... Ah bah, attends. Bah là, je peux faire ce que je voulais faire avant. Donc, J. Oh, tu voles! Tac! Mince. Attends, c'est bon? Ok. Voilà, là, on fait un petit virage. Voilà. Voilà. Et là, on vole. Bon, ça peut le faire. Là, on vole. On tourne au moins. Voilà. Ça y est. Ça y est. Je connais le kung-fu. Est-ce que ça passe? Faut que je tourne. Tourne! Je pense qu'il faut que je le lâche et que je le pousse. V. J. Putain, mais pourquoi je monte autant? Attends, je vais un petit peu avancer. Tac. Bah. Qui y passe? Merde. Oh, putain. Et qu'est-ce qui se passe? Mais je suis totalement bugué. Mais j'arrive pas à avancer. Pourquoi ça bloque? Merde! Mais pourquoi ils ont foutu le restart sur la barre espace? Genre la barre espace, c'est l'une des touches que tu utilises le... Est-ce que ce serait pas la touche que tu utilises le plus sur un clavier? Oh putain. Bon, par contre, moi, un truc qui me casse les couilles, c'est qu'on ne peut pas le faire marche avant et marche arrière, souvent. Attends, je vais foutre ça là, comme ça je vais pouvoir voler tranquillement. Tac. Je peux pas changer les touches. Probablement, mais bon. Ça sert à rien là ça. Non mais typiquement de devoir s'envoler avec U, mais quel enfer quoi. C'est bon? Ouais, et là, typiquement, ce qui me fait chier, c'est comment je fais pour tourner. En plus, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a que de la marche avant. Bah, là, ce que je peux faire, c'est le lâcher. Essayer de faire un tour. Donc là, J. Mais c'est à cause de mes ballons à la con. Putain, ça veut dire que je suis obligé de le faire en arrière.
Ouais, c'est à cause de mes ballons que j'arrive pas à rouler. Oh là 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 là, c'est de la merde. Hein. Franchement, ce jeu-là, il me fait chier, genre, je le comprends pas du tout. Genre, les ballons, je peux pas décider de les péter? J'en peux plus des fourmis chimères, là. Quoi tu peux? Ouais, je te jure, ça me rend fou. Hein. Bon, comment je pourrais faire? Ouais, sinon, c'est juste je le fais tomber, je le ramasse. Hein. Mais bon, ça me fait chier parce que je pense que là, ma machine, elle peut suffire. Est-ce que je peux pas trouver un moyen de tourner? Oh, avec cette merde-là. Ouais, il faudrait que je puisse tourner vraiment, ça me frustre de fou de ne pas arriver à le faire. Mécanisme. Là, je sais pas à quoi ça sert, moi, tout ça. On m'a jamais expliqué. Découpleur, qu'est-ce que ça fait? Une simple corde plus poulie. Ah. Ça va être pratique. Cliquer, faire glisser pour installer un ressort entre deux points. Une pince attrape tout ce qui touche, je me sens. Piston pour détendre, d'accord. Ouais, mais tout ça après, moi, je sais pas. Pilote charnière. Et je pense que c'est ça qui me permettrait de maîtriser ce que je fais, mais bon. Alors. Il me refaut une hélice là. Allez. Allez, on va tenter. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à tourner aussi. Et là, ça devrait aller. Ah, les petits oiseaux. Paf. Putain, pourquoi? Mais qu'est... Mon hélice, elle est cassée, mais tu te fous de ma gueule. Mon hélice, elle est pétée. Mais je fais comment, moi, maintenant? Est-ce que je peux pas... Ah oui, je peux que faire du recul, moi. Je peux rien faire? Ah bah super. Oh. Les mecs, mais ça m'énerve. Mais ça m'énerve tellement. Je pense un truc aussi que je peux faire en vrai, c'est foutre des roues arrière. Parce que le problème, c'est que s'il y a que mes roues en avant qui me permettent de rouler, je suis niqué. Vas-y, je vais mettre une petite protection devant. Tac. Allez, c'est la bonne. Ouais, ça y est, j'arrive enfin à tourner. Donc, tac. On pousse cette merde. Alors maintenant, on descend. Ah, et là, j'arrive à rouler. Ah ouais, non, c'est vraiment, j'arrive à rouler. Je pense que j'étais trop lourd avant. Ah, ou trop léger. Bon bah vas-y, on l'amène. Mais c'est de la glace en plus. Non, là c'est bien, j'ai un véhicule qui peut voler et qui est maniable. C'est bien, c'est bien. Oh ça y est, combien de temps? Un quart d'heure pour ça? Un quart d'heure? Dans 50 secondes, ouais, je suis pas sûr. Bon, faut que je garde ça. Sabotage fermier, fauché. Ah, fauché, donc ça veut dire qu'il me faudra des couteaux. Je serais chaud de le sauvegarder mon truc là. Je vais l'appeler la voiture qui vole et qui pousse. Donc là, du coup, logiquement, il nous faut des couteaux. Pour faire un couteau, il faut récupérer de l'acier que l'on ne trouve que sur le mont Xi Jinping. Je sais pas. Je sais pas, j'ai une vidéo très précise en mode référence.
Mais j'ai aucune idée de ce qu'ils disent dedans. Bon, allez, tac. Ah, mais c'est parce qu'en fait, mes trucs, ils étaient un petit peu trop gonflés. Bon, alors. Bah. Oh, putain, moi! Putain, j'avais pas vu, on m'attaque. Bah, pour ça, moi, je dis, y'a pas 20 000 solutions, hein. On se protège. Paf! Alors tu fais comment? Putain, mais ils arrivent à tout me péter, hein. Mais comment je fauche avec lui là? Il me faut des arbalètes. Je pense qu'il me faut des arbalètes là. Ah, bah tiens, en parlant du loup. Comment on tire avec des arbalètes déjà? C'est. Pourquoi ça se pète? Oh putain, c'est parce qu'il est pas assez long, tu te fous de moi. Je peux pas avoir ça au milieu. Putain, mais comment je peux faire? Ah bah je pense qu'il faudrait que je le foute en avant. Hein. Alors que je fasse ça et que je galère comme un con. Ah mais ils me rattrapent ces petits enfoirés. Bon, attends. On va s'envoler, c'est pas grave. Bon alors. Ah mais ils sont trop nombreux. Hein. Comment je peux faire? Sinon je peux le faire par en dessous, en mode je mets un couteau en dessous de moi. Attends, on va essayer de faire ça. Donc ça je le mets au maximum. Et là, du coup... Tac. Là, c'est bon, je suis à la limite, non? Ah, putain. Ouais, bon, ça devrait aller. Et donc là, ici, maintenant... Ça serait bien que j'ai un truc qui tourne vraiment tout le temps. Je sais pas s'il y en a. Pas ça, des roues. Est-ce qu'il y a un truc qui tourne H24 là dans le tas? À la limite, il y a ça quoi. Il y a l'acier circulaire. Non. Non. Je suis trop lourd. Ça m'étonne d'être trop lourd. Est-ce que je rajouterais pas un truc pour fly? Voilà. Toujours plus. Oh putain, c'est parce que je me trompe de touche encore. Ça me rend fou ça. Voilà. Peut-être qu'il faut que je me baisse un chouïa. Non mais je peux les tuer là, non? Tu peux pas faire plus grand le machin là? Ah ça y est. Ah, comme ça ils vont crever tranquillement. Bah, à la limite, vu qu'ils peuvent pas me toucher là, je pense que je vais faire mon taf. Normalement je devrais pas prendre plus d'auteur que ça. Donc je pense que là c'est bon. Ouais, nickel. Ouais, c'est parti. Et bah c'est pas mal. Non, c'est bon, là j'ai trouvé une solution. C'est juste, faut voler plus haut qu'eux. Comme quoi, la solution de voler, c'est toujours la plus simple. Ça, c'est le cas dans la vraie vie. On va pas dire qu'ils volent, mais bon. Alors. Évidemment, ce sont les aviateurs. Alors. Est-ce que je risque d'être bloqué? Bon, attends, je vais un petit peu tourner.
Alors, le problème, c'est que je vois pas trop en dessous de moi. Putain, 90%. Je me demande si la technique du canon fonctionnait. Putain, ça va être long. Bon, au moins, on a trouvé assez rapidement une solution pour une fois. C'est sûr que ça aurait été plus simple si je pouvais juste les buter. Ah, j'avais pas vu qu'il y en a une autre là-bas. Attends, j'ai un petit peu tourné. Alors. Ah! C'est bon. Ah, j'ai peur de me bloquer en allant là-bas. Bon, au pire, si je me bloque, je m'envole. Il s'envole! C'est lent. Évidemment, je peux pas retourner en arrière, du coup, on s'envole. Alors. Alors. Ah, il est trop bien le jeu, hein. Ah, je les ai tués? Ah non, ils sont là. Et par contre, s'ils me cassent mon truc. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent pas l'attaquer. Moi, ça m'arrange. Là, j'ai un peu peur d'être trop bas. Allez, là, je suis bien. Parfait. Allez, on termine là-bas. Enfin, 90, c'est beaucoup quand même. Et c'est pour ça, en fait, le problème, c'est que je pense que j'ai pas chopé. J'ai pas chopé le jeu. Je sais pas comment y jouer, en fait. Donc, voilà. Bon, au moins, j'arrive à tourner maintenant. Déjà ça. Putain, j'arrive pas. Ouais, c'est bon. Allez. En espérant qu'avec celle-là, ça suffise. En espérant qu'avec celle-là, ça suffise. Non, ça suffira pas. Allez. On va le faire. Allez. Eh, c'est qu'il y en a des bonhommes, là. Eh, ils sont dangereux, les fermiers de nos jours. Alors, j'espère qu'avec ceux-là, ça suffira. Ah, ils sont plus simples à choper, ceux-là. Il y en a un peu plus. Allez. Ça peut le faire. Paf. Le loup. Allez. Ah putain. Allez tout droit. Allez. Ah putain, il m'en manque qu'un seul. Imagine. Oh. Putain, j'aurais pété un câble si elle s'était pété ma scie. Si ma scie se pète, bah faut que je restart. Hein. Allez. Putain. Bon, je pars en l'orque, moi, bon stream. Demain, j'ai sport et muscu. Eh ben écoute, merci d'avoir été là. Et je te comprends, c'est pas le meilleur jeu. Malheureusement, c'est comme ça. Je l'ai acheté, donc faut bien le finir. Détruire le village. Ah, ça, moi, je sais faire. Bon, je suis vraiment pas fan de ma machine. Comment on détruit le village? Juste, je fonce dedans, non? Canon! Ouais, ça marche pas, ça. Là, c'est une solution qui fonctionne de temps en temps. Alors, est-ce que juste en fonçant dans les trucs, ça suffira? Ah putain, ma voiture, elle est inversée. Quel enfer. Ah ouais, non, ça. Alors, est-ce que ça suffit comme ça? Ah. Alors, on peut péter pas mal de choses. C'est quoi que je ramasse, là? C'est des rubis à la Zelda? Possible. Ah putain, il y a un truc dans les airs. C'est quoi? Ah, faudra peut-être que j'ajoute un truc pour tirer en haut. Bon, visiblement, ma petite voiture, elle est bien. Le problème, c'est que elle ne pourra pas shooter les trucs comme ça. Je pense... Ouais, non, j'allais dire ce qui pourrait être intéressant... Au moins, l'avantage, c'est qu'on j'arrive à péter pas mal de trucs. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, ça serait... Ah oui, c'est bien des rubis. Les rubis des Zelda.
Ah, je peux monter? Ah merde. Attends. Ah bah si je peux monter, ça règle le problème. Alors ouais, je me dis peut-être qu'il faudrait que j'ajoute des ballons pour pouvoir fly. Hein. Alors est-ce que j'ai réussi mon coup? Ouais bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux ajouter un petit truc devant moi comme ça. Alors le problème par contre avec ce que je fais, c'est que je sais pas si ça m'attaquera moi-même. Ouais. Alors. Ouais, je mets un truc pour le soutenir. Tac. Et après on peut se dire... en dessous je mets une hélice. Enfin encore une fois quoi, je fais un truc pour fly tout simplement. Alors, je pense que le fait de fly, ça va être... Quoi ? Ça va être souvent une solution pour moi. Alors non, je vais pas faire ça. Voilà. Et là, je vais mettre mon hélice. Là, je peux même la foutre là, à la limite. Ça fonctionnera quand même. C'est quoi ça ? Ah, c'est des armures, on s'en fout des armures. La France s'en fout des armures. Alors tac, et ma petite hélice du coup. Ouais, et j'ai pas de soucis. Alors on va tester. En flyant. Ah oui non, putain, c'est vrai que c'est U. Ah, je suis trop lourd. Si on est trop lourd, on rajoute. Ah, là j'ai un bon véhicule. Là, c'est bien, tu vois. Il est offensif. Il peut fly. J'ai un bon contrôle sur le sol. Ah, là, ça... Oula. Ouais. Est-ce que ça le fait à cause de mon hélice? Ah non, ça le fait quand même. Ah, donc c'est à cause des ballons, peut-être parce qu'il y en a trop en arrière. On va tester juste avec ces trois-là. Et est-ce que je peux fly? Yes, bah si je peux fly, c'est bon. Si je peux fly, c'est bon. Ah. Merde, par contre, le contrôle est très bizarre. What the fuck? Pourquoi c'est inversé? J'ai cru qu'elle était pétée, ma truc. Bon, je vais d'abord me débarrasser de ce qui est dans les airs. Donc ça veut dire, si je veux tourner à droite, faut que je fasse tourner mon hélice à gauche. Putain, mais c'est trop chelou. Alors, ça tourne hyper bien, mais c'est bizarre que ce soit inversé. Bah. Ah. Oh, putain. Allez, let's go. Allez, du coup, maintenant, il nous reste le petit truc dans les airs, là. Putain, j'arrive pas à le maîtriser, c'est horrible. Il tourne trop. Ok. Allez, j'ai quelque chose. Allez, j'ai quelque chose. Let's go, allez. Ça peut passer. Allez! Ah! Putain, il est en vie! C'est pas possible! Bon, alors, on va attaquer par les airs ici. J. Alors, est-ce que c'est bon pour moi? Ah, ça va être compliqué de l'attaquer, celle-là. Alors, est-ce que. Peut-être si je descends.
peut-être si je remonte. Eh, tu sais quoi? On va tester une strat, là. Ah, l'attaque! Ah non, je descends trop lentement. Bon, ils m'ont dit 90% du village. Moi, je pars du principe... Oula. Je pars du principe qu'on n'a pas besoin de le péter en entier. Donc, on se zabarde. Voilà, là, ça va aller un petit peu plus vite. Ah oui, les pots, ils comptent vraiment, du coup. Ah, ça me fait pas aller plus vite. Bon, bah, nickel. Alors, combien de temps? 30 minutes pour 3 levels, on disait? Ah. Mais là, j'ai un bon véhicule. En fait, ce qui m'intéresse, moi, quand même, ça serait de trouver un véhicule qui puisse passer pour faire beaucoup de niveaux. Et celui-là, il est vraiment pas mal, je pense. Ah ouais, la difficulté, ça va être de péter tous ces petits pots de merde, là. Est-ce que je peux péter ceux-là? Ouais, j'en ai déjà pété, c'est déjà ça. Ouais, là, ça devrait suffire sur ça, je pense. Là, si je fais un tout droit. Et là, je me suis soft. Et là, je me suis lock. Ouais, le tout droit, ça devrait suffire, là. Allez. Oh, j'ai perdu une roue. Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais comment j'ai perdu une roue? Ah, putain, yes. Putain, mais comment j'ai perdu une roue, moi? Bon, allez. Sachant que j'ai 13 niveaux à faire si je veux finir cette zone. Mode construction libre. Oui, je sais. Alors, patrouille. Détruire les tentes. Et on me tire dessus, c'est ça? Et ben voilà, aucun problème. Bah écoutez, la stratégie va être très simple. Je vais foutre un lance-flamme en dessous de moi. Et on va continuer la stratégie. Alors... Quoique, à la limite, pourquoi je foutrais pas juste une foreuse en dessous de moi? Regarde, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ah putain, ils arrivent quand même à attaquer? Attends. Ah, si je fly un peu trop. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, là je me suis un petit peu baissé. Mais ça les tue pas là? Sérieux? Là, faudrait leur caler une petite bombe bien sympatoche. Ouais, bon, écoute. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure. Voilà, on va y aller en brute force. Alors, mon véhicule, il est très chiant à contrôler, vu que c'est inversé. Ouais, non, en vrai, le truc là en dessous de moi, il est bien. Par contre, j'ai un contrôle de dingue, hein. Enfin, je tourne tellement. Bah, c'est bien, hein. Tout à l'heure, c'est ce qui me manquait. Attends, on va tourner un peu plus. Ouais, en fait, faut que je le fasse un petit peu pour maîtriser le truc. Chut. Et là, on est pas mal. Ah, putain, je me suis raté. Tac. Alors next. Oh, faut que je monte, ça explose. Ah, il faut que je fasse gaffe avec ça. Bon, on va monter un petit peu. Enfin, on va aller vers le nord. Et une fois que je pense être bon, on descend. Et j'espère que là, c'est pas mal. Ok. Ah putain, ouais, j'ai une roue qui va bientôt se péter. Hein. Et la last. Tac. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'avancer. Ouais, 4 minutes quand même. Vallée du vent, détruire les monuments. Quel monument? Ça?
Elles se déplacent, les tornades. Quel enfer. Alors, c'est faisable avec mon truc, mais le problème, c'est que je le maîtrise pas assez. Déjà, je pense que ça, je vais le retirer. Et mon truc, là, je vais le foutre à l'avant. Hein. C'est trop chiant à contrôler. Hein. C'est vraiment pas pratique. Allez, y'a... Paf. Paf, le loup, ou quoi. Alors... Comment on fait, nous, ici, maintenant? Attends, mais elles viennent vers moi, les tornades? Ah non, j'ai cru. Ah, comme ça, là. Alors, j'ai cru que j'allais me faire toucher. Tac. Mais qu'est-ce qui... Ouais, on sait pas si je me fais prendre dedans, ce qui se passe. Ah, c'est tout. Attends. Oh, ça va. Non, bah c'est free pour moi. Faut juste que je l'échappe par en haut à la limite. Ou sinon, même si je leur fonce dessus, en fait, si je me fais toucher par une tornade, faut juste que je fly. À la limite. Regarde, hop. Et là, j'active U pour fly. Et tu vois, aucun problème. Nickel, un niveau free pour moi, ça c'est bien. Alors après, faut le réussir, hein, évidemment. Je dis free. Bon, tu vas te barrer. Ça. Attends, il y en a une qui me gêne beaucoup. Là. C'est bon? Ah putain, je l'ai pas eu. Paf. ok. Next. Où est-ce qu'il y en a à péter? C'en est une, ça? Je crois que c'en est une. J'imagine qu'il y en a une seule qui est... Qui est pas cassable. Ah, y a une mauvaise gestion quand t'es dans les airs, par contre, ça lagouille. Ah merde. Ah putain, ouais, dans ce moment-là. La caméra aussi, j'ai vraiment du mal avec la caméra du jeu. J'ai un peu du mal à la contrôler, enfin, je la trouve pas très agréable. Ouais, mais ils viennent nous attaquer carrément en fait. Ouais, ouais. Ah, c'est insupportable. La caméra elle fait n'importe quoi. Ouais, je sais pas comment elle fonctionne cette cam. Elle est très désagréable. Alors J pour descendre. C'est une blague, il s'est passé quoi? Bon. Ça m'emmerde. Est-ce que... Bon, en vrai, je l'aime bien, ce véhicule. Ouais, vas-y, ça va devenir la nouvelle voiture qui vole. On va tester, évidemment, la stratégie canon. La stratégie, elle marcherait si je tirais là. Un truc qui me fait chier, c'est que les canons, ils tirent qu'une fois aussi. Ça, c'est chiant. Et est-ce qu'une petite voiture à la con, ça suffirait pas? Ouais, bah non. Le avion non plus. Non, mais je pense que ma strat, c'était la bonne. Hein. Bon, sinon, on peut tester la voiture et... Et je fous genre ça devant. Et au cas où que je me fasse emmener dans les airs, je fous des ballons. Allez, c'est parti. Ah! À l'aide! Ouais. Laissez-moi passer. Oh putain, l'enfoiré. Allez, U! Ah putain, ils m'ont pété un. Oh, ils m'en ont pété deux. Et je suis en train de brûler.
Mais je brûle avec quoi? Il est où le feu là? Ah bah là je suis finito. Hein. Là je suis finitito. Si j'arrive à me barrer. Ah putain. Non c'est bon. Ok. Ah putain. Ouais, l'avantage avec le fait de pouvoir m'envoler, je peux me sauver. Ok, ça y est, je suis au sol. Alors. Qu'est-ce qu'il me reste? Là, je peux faire vraiment un tout droit. Quoi. Et dès que je le sens. Allez, go. Ah putain! J'ai oublié de fly. Non, là ma strat elle est bien. Allez. Quoi? Oh non, tu te fous de ma gueule, je peux plus fly. J'ai plus assez. Et pourquoi ça s'est pété? Ah, j'ai trop le seum. Ah, oh, ça me rend dingue, hein, vraiment. Le fait que je n'arrive à rien faire, vraiment, ça me rend fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que je vais juste rajouter un ballon et puis basta. Ouais, ça il me semblait que c'était un peu chaud. Ok. Alors, J. Ça se trouve, je me fais chier en plus alors que je peux juste... Ah ouais, il faut juste que je fonce dedans, je crois. Ah! Putain, j'ai pété plein de trucs, j'ai fait quoi? Ah, c'est grâce aux débris. Les débris, ils peuvent casser des cailloux. Ah, donc si ça se trouve, c'est un niveau où tu peux vraiment AFK et ça passe. Hein. Bon, alors. Ah, regarde, des débris, là, qui volent. Bon, allez. Ah putain, Ah faut ah non, faut que je perde de rien. Ah non, faut que je perde de rien là. Attends, il faut que je touche le sol. C'est bon. Ça y est, je suis sauvé. Alors, non mais je vais juste en chercher des plus simples. Ouais, celle-là elle est pas protégée. Mais je crois que si je pète ces deux-là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez. Putain, j'arrive pas à me déplacer. Ok. Nickel. Allez, on va le finir ce jeu. Ça me tire dessus, j'imagine. Non. Faut que je lui souffle dessus. Quoi? Et qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, c'est là où je vais arrêter le jeu parce que là, il y aura des grosses énigmes et genre, quand t'es nul à un jeu, tu veux pas faire des énigmes. Eh bien, c'est officiellement le dernier stream de BeastEdge. J'espère que ce stream vous aura plu. Et que ce jeu vous aura plu, bien évidemment. Ah, petite torche. Putain, j'avais même pas vu qu'on avait ça. Et ça me sert à quoi? Est-ce que je peux l'allumer? Moi, pour moi, la théorie, c'est la torche, quoi. Alors, elle est où?
Oh non, putain, faut vraiment... Ah non, faut que je le fasse tourner le machin, mais t'es sérieux. Attends, ça veut dire qu'il me faut une planche plus grande que ça. Enfin, un truc droit. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Le grand planche. Ouais, non, je l'ai déjà. Ouais, c'est un... Mince. Ça veut dire là, faut juste que je la tourne, en fait. Ouais, mais dans quel sens? Vous êtes mignon, mais dans quel sens? Évidemment, la caméra qu'on remercie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et quand je suis mauvais à un jeu, moi je l'aime pas ce jeu. Hein. Et là c'est le cas, en hein. BBCH, ça me gonfle un peu. Vraiment, si j'y joue, c'est parce que je l'ai acheté et que ça fait longtemps que je voulais y jouer. En fait, je suis juste trop con pour jouer à ça. Mais ça me gonfle, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Enfin, je sais ce qu'il faut faire, mais pourquoi ça marche pas? Alors là, je suis niveau combien? Je vais m'arrêter maintenant, hein, je pense. Hein. Là, je me fais du mal. Hein. 27. Putain, il m'en reste 9. C'est quoi? C'est Toll Brind 27. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah déjà, c'est cool parce que là, sur le wiki, je vois que c'est même pas mon niveau. Siege Tollbreed. Alors, il y a une vidéo YouTube. Vidéo non disponible. Ah, ça, moi, j'aime bien quand il y a Internet et ça. Bah écoutez, bon, c'était très court. Mais je vais m'arrêter là. J'en ai marre. Je me fais chier, en fait, au dernier stream, mais... Mais je me suis fait chier, mais à un point. Et vraiment, non, pour moi, le jeu, il manque de tutos et fait juste de tutos, en vrai. Parce que le problème, c'est que... Enfin, la moitié de tes objets, tu ne sais même pas à quoi ça sert. Et là, typiquement... Enfin, je suis pas fait, enfin... Je pense qu'il faudrait vraiment tout tester, mais... Enfin, les gars, j'ai autre chose à foutre, hein, vraiment. Hein. Donc bref, tant pis. Voilà, c'est la fin de BCEdge. Malheureusement, j'y ai trop joué. De toute façon, ça fait des années que je l'ai acheté, donc je pourrais jamais me faire rembourser. Mais bon, non, pas fan. Vraiment, vraiment pas fan, pour le coup. Voilà, je l'avais mis dans mes favoris pour y penser, mais... C'est officiel, j'arrête le jeu. Voilà. Non, ça me gonfle vraiment beaucoup trop. Je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant de voir quelqu'un jouer, tout comme sur Polybridge. Mais malheureusement, c'est juste... pas un jeu pour moi. Pourtant, c'est un jeu un petit peu de type énigmatique et j'adore les jeux comme ça. Mais pour le coup, là, c'est énigmatique du style ingénierie à la Polybridge. Et je trouve ça cool, hein, vraiment, les concepts, mais c'est vraiment méga dur pour moi. Et je comprends pas. Enfin, BCEdge, en tout cas, je comprenais pas, alors que BCEdge... Au moins, sur Polybridge, on te faisait un tuto de chaque nouvel objet. Là, on a rien eu. Dès le début, on avait tous les objets... Démerde-toi, essaie de comprendre à quoi ils servent. Il y a plein de mots, tu sais même pas à quoi... Tu sais que c'est des trucs de voiture, mais tu sais même pas à quoi ça sert. En plus, je trouve ça pas pratique, tout con, hein, mais le fait qu'il y ait qu'une seule hélice... Alors tu vas me dire, mais c'est normal, un avion, ça a qu'une hélice à l'avant. Alors ouais, mais c'est hyper chiant à contrôler. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir deux hélices que je peux contrôler séparément. Mais tu peux pas. Et typiquement, ça, c'est chiant. Mais bref, non mais le jeu pourrait être bien, mais pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi, désolé. Visibilité, ouais, les contacts uniquement. Hop. Non, je conseille pas trop ce jeu. Voilà. Le FNAF, est-ce que je l'ai fait le FNAF Into the Pit, là? Ouais, je le recommande de fou, en vrai.
Très beau graphisme pixel art. Jeu très court, mais intéressant à speedrun. Oubliez l'évaluation. Eh ben nickel. Eh ben écoutez, bah vu qu'il est très tôt, évidemment, on va pas stopper le stream maintenant. Mais je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être je continue le top up full time. À la limite. Ça peut être intéressant. Peut-être pas l'arc Pokémon, mais on peut se dire on fait l'arc actuel. Bon bref. YouTube, voilà. C'est une VOD très rapide. Je pense que cette VOD-là, je vais la sortir vraiment juste après la première VOD B-Siege parce que cette VOD-là, elle ne sert à rien. Vu qu'elle fait que 50 minutes. Donc écoutez, voilà. C'était B-Siege. J'ai pas aimé le jeu. Et voilà. Allez, au revoir YouTube.